On a quand même fait un peu le tour des parties de gauche, et t'as pas l'air inspiré, mon Gus. Ouais, c'est confus tout ça, quand même. Bon, je vais être clair. Les élections, c'est en 2022. Dans 17 mois, tu dois te décider rapidos si tu veux être connu et aimé et convaincre ton fan club. On est vraiment obligé. De quoi? De convaincre les gens pour être élus. De toute façon, tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, hein. Quoi tout ça? Mais bah, ça tout ça, là, tout ça, là, si, tout ça. Non, Gus, entre les trotskistes, les anarchistes, les royalistes, les communistes, et j'en passe, ça n'a rien à voir. À part, bien sûr, être de gauche et prôner grosso chausseto une plus grande justice sociale. Ouais, ils aiment bien découper le fil à coudre en quatre, je trouve. Et les écolos? Ça te tente pas, les écolos? Ah non, ça jamais. Plutôt mourir. Bah pourquoi? Ils sont sympas, les écolos, et puis ils sont pour la sauvegarde de la planète, les écolos. N'importe quoi, comment ils pourraient se barrer, la planète? Et les animaux? Ils sont pour sauver la diversité. C'est plutôt bien, ça, hein? Les loups dans les Pyrénées, c'est bien, ça, non? Oh, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'en connais pas de loups, puis je cause même pas de loups non plus. Et puis je crois qu'en plus, on fabrique pas de chaussettes en loup, à ce que je sache. Et les loups, ils ont pas besoin de chaussettes. Ah, sauf celui de Kevin Costner. Mais lui, c'est parce qu'il est plus gentil, parce que ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'as vrillé de la plouchette, mon pauvre! Ah, oh, et puis je vais te dire, les écolos, il y en a dans tous les partis. Chacun défend sa petite planète de son côté, et franchement, je vois pas de différence flagrante entre Europe Écologie Les Verts, qui sont des dissidents des Verts, d'origine, et Génération Écologie, créée à l'initiative de Mitterrand et regroupant les tendances non rattachées, non vertes, sans oublier le Rassemblement Citoyen Cap 21 de Corinne Lepage, qui a soutenu Macron en 2017, hein, avant de faire marche arrière. Et enfin, le Rassemblement Écologique pour le Vivant du chroniqueur chevelu, Aymeric Caron. Pfff, tout ça, ça me vend pas du rêve, vois-tu? De toute façon, je déteste les écolos! Les écolos. Tu détestes les écolos? Oui. Mais je t'ai jamais vu surmonter, t'as les fibrilles qui frisent, mon pote, et juste ça parce que tu comprends rien! Je vais te dire, les écolos! Ils préfèrent les chaussettes en chanvre et en lin plutôt que celles en élastane, ça consomme moins d'eau à la production, qu'ils disent! Bah, je me disais bien! T'imagines, plus de chaussettes en coton, ni en élastane, ni en polyester! Qu'est-ce qu'on va devenir, mon raptou? Bon, ok. Mais tu sais, les écolos, ils luttent contre le réchauffement de la planète. Rien à foutre. De toute façon, on ne sait même pas si c'est vrai. Mais si c'était vrai, qu'est-ce qui se passerait avec le réchauffement de la planète, hein? Ah, remarque, c'est pas mal. On pourrait sécher plus vite sur notre étendoir à l'air libre tous les jours. Oui, mais quoi d'autre? Ah, je sais. On pourrait créer un show de chaussettes new. Ladies and gentlemen, never seen before, du jamais vu pour vous ce soir, les chaussettes new. Non, 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 Gus, là, tu t'emballes et tu refroidis. Hein, mais je comprends pas, ça réchauffe ou ça refroidit ton truc? Non, c'est un jeu, Gus. Tu chauffes, tu refroidis, c'est une façon de dire tu te rapproches ou pas de la réponse à la question. Ok. Alors réfléchis, d'après toi, ça ferait quoi le réchauffement de la planète? Disons qu'on aurait plus. On aurait plus besoin de s'habiller. Alors là, tu brûles. Aïe, où ça? Mais non, c'est le jeu. C'est vachement dangereux ton jeu, hein. Ce que je veux dire, c'est que. Fini les chaussettes si la planète se réchauffe. Réchauffement climatique égale les gens n'ont plus froid et se promènent pieds nus sans chaussettes. Quoi? Mais c'est horrible! Ah ben non alors! Je veux pas ça, moi! Exactement! Et ben les écolos, ils sont contre le réchauffement climatique. Tu comprends? Est-ce que tu veux dire que grâce aux écolos, la planète se refroidirait et du coup on rentrerait comme qui dirait dans une nouvelle ère glaciaire et par conséquent dans l'avènement du règne total de l'expansion de la chaussette? Comme qui dirait? Ouais, c'est une manière de voir le truc. Ah bah ok, hein. Alors dans ce cas, ok, je signe. Allez, vive les écolos! Raptou? Raptou? Ouais. Ah, on peut refaire ton jeu? Bah si tu veux. Allez, je suis rose ou vert? Rose. Tu brûles? Mais non, que je brûle pas, je gagne. Tu es rose. Oui, mais si je suis un peu écolo en même temps? C'est pas gagné.